Cette maison m'a tenu lieu de maison natale. Mais le passé peut être ici, dans le présent. Cet endroit-ci, il est déjà dans le passé. Je peux m'en servir pour dire exactement ce que je veux. Comment dirais-je, de mon existence. L'histoire de ma vie n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais de centre. Pas de chemin pour y aller. Pas de ligne. Il y a des endroits vastes où on fait croire qu'il y avait quelqu'un. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y avait personne. Avant, j'avais parlé des périodes claires de ma vie, de celles qui étaient éclairées. Et ici, je parle des périodes cachées de cette vie, de cette même jeunesse, de certains enfouissements que j'aurais opérés sur certains faits, sur certains sentiments. Sur certains événements aussi. Marguerite Duras is geboren en heeft haar jeugd doorgebracht in het zuiden van Vietnam, in de tijd dat Indochina nog een Franse kolonie was. Haar familie, die van westerse origine was en tot de koloniale heersende klasse behoorde, had het er toch moeilijk omdat ze in geldnood zaten. De spanningen die deze tegenstrijdige situatie teweegbracht, hebben een onuitwisbare indruk gemaakt op Marguerite Duras. C'est un mystère dans ma vie, ça. Pourquoi cette période relativement courte de 6 ans à 16 ans est si féconde? La situation de ma famille était difficile. Ma mère est restée veuve de mon père. J'avais 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Et elle nous a élevés seuls. Mon père était directeur de l'enseignement en Indochine. Et quand il est mort, ma mère est redevenue ce qu'elle était, c'est-à-dire institutrice. Les instituteurs étaient mal payés, ce qui a fait que notre enfance a été pauvre. Ma mère était hantée par la misère. Bon, ça, c'est la partie famille. Le décor dans lequel s'est passée cette enfance relevait également de la peur. Toujours la peur de cet exil dans lequel était ma mère. L'amant, c'était un album de photographie. C'était un commentaire de toutes les photos que j'ai. De binnenplaats van een huis aan het kleine meer van Hanoi. We zijn bij elkaar. Zij en wij, haar kinderen. Ik ben 4 jaar. Mijn moeder staat in het midden van de foto. Ik herken haar ongemakkelijke houding, haar strakke gezicht, de manier waarop ze wacht tot de fotosessie is afgelopen. Door haar vermoeide trekken, een zekere wanorde in haar kleding en haar slaperige blik weet ik dat het warm is, dat ze afgemat is, dat ze zich verveelt. Maar aan de armoedige manier waarop wij gekleed zijn, wij, haar kinderen, herken ik de toestand waar mijn moeder soms in verviel. Al op de leeftijd die we op de foto hebben, herkenden we de voortekenen ervan. Ze kon ons dan ineens niet meer wassen, niet meer aankleden. En soms kon ze ons niet eens meer te eten geven. Die enorme levensmoeheid overviel mijn moeder dagelijks. Soms ging het met de nacht over.
soms niet. Ik heb het geluk gehad dat ik een moeder had die wanhoopte met zo'n volmaakte wanhoop dat zelfs het grootste levensgeluk haar wanhoop soms niet helemaal kon verdrijven. Ce divorce entre notre mère et nous a compté beaucoup. Elle était dans l'exil. Nous, non. Pour les enfants que nous étions, ce pays était notre pays. Je parlais le vietnamien comme une vietnamienne. La nature, je l'ai connue là-bas. La nature, j'ai passé une partie de mon enfance à jouer dans les forêts équatoriales. Dans les forêts infestées de tigres, de serpents. À me baigner avec les petits indigènes. Marguerite Duras, die de armoede van de Vietnamese boeren van nabij had meegemaakt, schreef vaak over hun miserabele omstandigheden. Met name in haar eerste boek, Un barrage contre le Pacifique, dat in 1950 verscheen. Elle a économisé pendant 15 ans, 20 ans. Elle a toujours économisé, ma mère, pour acheter de la terre. À ce moment-là, le nord de l'Indochine était loti par le gouvernement. Elle a acheté, elle a mis toutes ses économies dans cet achat. Vraiment, la totalité. Elle ne savait pas que pour avoir une terre cultivable de bonne qualité, il fallait soudoyer les fonctionnaires. À ce moment-là, toute l'Indochine blanche était en proie à la concussion. Bon, elle a donc donné toutes ses économies. On lui a donné de la terre. Et cette terre était incultivable. Elle a fait ses semis, elle a planté du riz. Et dans la première année, la mer est montée jusqu'au Magam, jusqu'au pied de la montagne. C'était en bordure de mer. Et après, elle ne s'en est pas tenue là. Elle a fait des barrages. Elle a lutté contre les éléments. Et la mer est arrivée quand même. Bon, ma mère est tombée malade. Elle était au bord de la mort. Je pense qu'elle est tombée malade de colère, d'injustice. Il y a de quoi mourir. Marguerite Duras, die het onrecht dat haar moeder en haar familie is aangedaan nooit heeft vergeten, beschrijft de gevolgen ervan uitgebreid in L'Amant. C'est une famille en pierre, ma famille. Pétrifiée, dans une épaisseur sans accès aucun. Chaque jour, nous essayons de nous tuer. De tuer. Jamais bonjour. Jamais bonsoir. Jamais bonne année. Jamais merci, jamais parler, jamais besoin de parler. Tout reste muet, loin. Le mot conversation est banni. Je crois que c'est ce mot qui dit ici le mieux la honte et l'orgueil. Toute communauté, qu'elle soit familiale ou autre, est haïssable, dégradante. Nous sommes ensemble dans une honte de principe, d'avoir à vivre la vie. Simplement. C'est là que nous sommes, au plus profond de notre histoire commune. Celle d'être tous les trois des enfants de cette personne de bonne foi, notre mère, que la société a assassinée. Et nous sommes du côté de cette société qui a réduit ma mère au désespoir. À cause de ce qu'on a fait à notre mère, si aimable, si confiante, nous haïssons la vie. Nous nous haïssons. Marguerite Duras,
die wanhopig werd van die verstikkende atmosfeer, wilde vluchten naar een ander bestaan. Haar voor die tijd buitenissige make-up en kleding waren al een uiting van dat verlangen in haar jeugd. Daardoor ook werd ze, zoals ze in La Mans beschrijft, naar die onbekende Chinees toegedreven, die per veerboot de rivier de Mekong overstak op die door het lot bepaalde dag. C'est très simple. C'est vraiment comme une histoire de cœur. Une histoire de nous deux. Il m'a demandé la permission de venir me chercher à l'école. Et s'il pouvait me conduire au lycée, puis venir me rechercher au lycée. C'est-à-dire que, bon, j'étais pas amoureuse de lui à ce moment-là du tout. Rien de pareil ne s'était produit. Mais je me disais qu'il fallait que j'y passe. Comme les femmes en général, comme toutes les femmes. Qu'il fallait faire l'amour avec un homme. Dit is Gole, aan de andere kant van de boulevards die de Chinese stad met het centrum van Saigon verbinden. Die brede Amerikaans aandoende wegen met slingers, trams, rikshas en bussen. Het is vroeg in de middag. Ze heeft geen duidelijke gevoelens. Geen haat. Geen afkeer ook. Dus waarschijnlijk voelt ze nu al verlangen. Ze weet het niet. Ze heeft ja gezegd zodra hij haar de vorige avond vroeg te komen. Ze is daar waar ze moet zijn. Waarheen ze verplaatst is. De huid is verrukkelijk zacht. Het lichaam. Het lichaam is mager, krachteloos, niet gespierd. Misschien is hij ziek geweest en is hij nu aan het opknappen. Hij heeft geen baard. Zijn enige mannelijkheid is zijn geslacht. Hij is heel zwak. Hij lijkt makkelijk te beledigen. Kwetsbaar. Ze kijkt hem niet aan. Ze kijkt niet naar hem. Ze raakt hem aan. Ze raakt de zachtheid van zijn geslacht aan, van zijn huid. Ze streelt de gouden kleur, het ongekende van het nieuwe. Hij kreunt, hij huilt. Hij is afschuwelijk verliefd. En al huilend doet hij het. De stadsgeluiden zijn zo dichtbij, zo vlakbij, dat ze tegen de houten luiken schuren. Je hoort ze alsof ze door de kamer gaan. Ik streel zijn lichaam in die geluiden die langsgaan. Nu wordt het avond. Hij zegt dat ik me die middag altijd zal herinneren. Ook als ik zijn gezicht en zijn naam allang vergeten zal zijn. Ik vraag of ik me dan ook het huis nog zal herinneren. Hij zegt, neem het goed in je op. Ik kijk om me heen. Ik zeg dat het net zo is als overal. Hij zegt dat dat inderdaad zo is. Net als altijd. Ik zie dat gezicht nog voor me. En ik herinner me de naam. Mais quand même, quand pendant des années, j'ai pensé à la lumière à travers les fenêtres, à la lumière à travers les volets. Que c'était dommage de ne pas dire ce que c'était. Cette lumière et les bruits de la ville derrière. En même temps que j'étais avec, dans le secret le plus total. Que personne ne pouvait déceler ma présence dans cette rue. J'étais à la fois dans un lit, avec un homme, avec mon amant, et dans la rue. Si vous voulez, il y a une sorte de phénomène public qui se passe là dans ma tête. Je suis public et en même temps complètement secrète, complètement cachée. Je perçois la rue ne sait pas que je suis là. Il y a quelque chose de l'écriture dedans. La perte de vue de l'écrivain en faveur de l'écrit. De ambivalentie van zo'n verliefdheid en de aanwezigheid van een onbereikbare moeder vormt een van de hoofdthema's in L'Amant. À cette époque-là de Cholène, de l'image, de l'amant, ma mère a un sursaut de folie. Elle ne sait rien de ce qui est arrivé à Cholène. Je vois qu'elle m'observe, qu'elle se doute de quelque chose. L'épouvante soudaine dans la vie de ma mère. Sa fille court le plus grand danger.
celui de ne jamais se marier, de ne jamais s'établir dans la société, d'être démuni devant celle-ci, perdu, solitaire. Dans des crises, ma mère se jette sur moi. Elle m'enferme dans la chambre. Elle me bat à coups de poing, elle me gifle. Elle me déshabille. Elle s'approche de moi, elle sent mon corps, mon linge. Elle dit qu'elle trouve le parfum de l'homme chinois. Elle va plus avant. Elle regarde s'il y a des taches suspectes sur le linge et elle hurle. La ville a l'entendre que sa fille est une prostituée, qu'elle va la jeter dehors, qu'elle désire la voir crever et que personne ne voudra plus d'elle, qu'elle est déshonorée, une chienne vaut davantage. Et elle pleure en demandant ce qu'elle peut faire avec ça, sinon la sortir de la maison pour qu'elle n'emplantisse plus les lieux. Het thema van de liefdesaffaire die indruist tegen de maatschappelijke regels en schande brengt over de familie, is een steeds terugkerend element in het werk van Marguerite Duras. Het scenario van Hiroshima Mon Amour is daar een voorbeeld van. In de film van Alain René vertelt de hoofdrolspeelster aan haar Japanse vriend het verhaal van haar stormachtige romance met een jonge Duitse soldaat tijdens de Franse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Je tremble d'avoir oublié tant d'amour. On devait se retrouver à midi sur le quai de la Loire. Je devais repartir avec lui. Quand je suis arrivée à midi sur le quai de la Loire, il n'était pas tout à fait mort. Quelqu'un avait tiré d'un jardin. Je suis restée près de son corps toute la journée. Et puis toute la nuit suivante. Le lendemain matin, on est venu le ramasser et on l'a mis dans un camion. C'est dans cette nuit-là que Nevers a été libéré. Et puis un jour, j'avais crié encore. Alors on m'avait mise dans la cave. La société me roule sur la tête, au lieu du ciel, forcément. Je la vois marcher, cette société. Rapidement, pendant la semaine, le dimanche, lentement. Elle ne sait pas que je suis dans la cave. On me fait passer pour morte. Morte, loin de Nevers. Mon père préfère parce que je suis déshonorée. Mon père préfère. Dans le cas de l'amant chinois et dans le cas de l'amant allemand. Dans Hiroshima Mon Amour, il s'agit d'un interdit qui est un frein. Ma mère considère que ça, c'est une dégradation énorme si. Définitive de son enfant si elle se mariait avec un chinois. Remarquez qu'après elle était tellement pauvre que elle m'a dit il faut que tu te maries avec lui, ça va nous tirer d'affaire. Mais quand même, sur le principe, elle était très réticente. Et dans Hiroshima Mon Amour, l'enjeu est beaucoup plus grave parce qu'elle est tendue. Elle est vraiment publiquement déshonorée. Mais c'est la même chose. Sauf qu'il n'y a pas cette sanction après. De la mort et du déshonneur. Veel boeken van Marguerite Duras zijn gebaseerd op haar jeugd. Door de relatie tussen haar twee broers, de ene wreed en tyranniek, de ander zwak en innemend, ontdekt ze dat liefde en geweld vaak samengaan in het leven. C'était le jour et la nuit, si vous voulez. Il y avait ce petit frère. On n'a jamais dit ça tout à fait autour de moi, ni ma mère ni moi. Mais je pense que le petit frère avait comme une sorte d'ombre sur lui. Comme une sorte de très léger retard
mentale. Et que c'est cette espèce d'enfance dans laquelle il restait, lui, qui provoquait le frère aîné. Je vois une corrélation entre la mort, quand même, à 27 ans, très jeune, et l'espèce de torture qu'il a subie, constante, de provocation constante, de la part du frère aîné. Il régnait, il avait remplacé le père dans notre famille. Il distribuait les sanctions. De rol van Jacques in de film Des journées entières dans les arbres is geïnspireerd op haar oudste broer. Het is een mislukkeling, een gokker, die er niet voor terugdeinst om bij het laatste bezoek aan zijn oude moeder de gouden armbanden te stelen, het restant van het bescheiden familiefortuin. Zelfs zijn vriendin kan hem niet van die kwalijke daad weerhouden. Jacques, je t'en supplie. Viens dormir. Hein? Qu'est-ce que je vais lui dire si elle se réveille et qu'elle ne trouve plus rien? Elle ne demandera rien. C'est pas moi qu'elle a apporté tout ça. Rends-moi ce que tu as pris. Tu vas retourner là-bas, Jacques. Tu vas tout perdre. Demain, ça recommence, la musique. Rien à manger. Je suis malheureux. Je sais. Je t'aime, Jacques. Reste. Reste cette dernière nuit. Tu la reverras pas, c'est la dernière fois. Je lui dis le contraire, mais c'est vrai, elle a été une mauvaise mère. Elle le sait. Nous le savons tous les deux. Une mère crapule. Chut. J'ai été sa mauvaise action. Ne fais pas, Jacques, n'y va pas. N'y va pas. Et je vais gagner, idiote. Comédien, menteur, mais c'est terrible. Que tu es lâche, mon Dieu, c'est vrai. Elle-même doit pas savoir à quel point. Je vais gagner. Impossible. C'est impossible. Il est là, lui. Avec cette faculté presque enfantine de voler. De voler sa mère qu'il n'a pas vue depuis des années. Il était comme ça. Moi, il ne m'avait pas vue pendant toute la guerre. Et il m'a volé toutes mes économies. Quand il est arrivé pour quelques jours, ça fait 4 ans que je ne le voyais pas, il m'a volé tout ce que j'avais. Les provisions pour mon mari et toutes mes économies. Je n'avais plus un franc dans la maison. Il était comme ça. Malfaisant. Malfaisant, c'est un mot terrible, mais juste. In L'Amant is de oudste broer de verpersoonlijking van het ongeluk, de tragédie van het lot. Quelquefois, je confonds la guerre, le temps de la guerre, avec le temps pendant lequel mon frère aîné est resté dans la famille. Je vois la guerre comme je le vois pendant mon enfance. Se répandre partout, pénétrer partout, dans les chambres, voler, emprisonner mon petit frère, être là partout, mélangé à tout, mêlé. Présente dans le corps, dans la pensée, dans le sommeil, dans la veille, tout le temps, en proie à la passion saoulante d'occuper le territoire adorable du corps de l'enfant, du corps des moins forts, de celui de mon petit frère, de celui des peuples vaincus. Cela parce que le mal est là, aux portes, contre la peau. De bezetting van Frankrijk door de nazi's maakt diepe indruk op Marguerite Duras. Ze legt een verband tussen die periode
en haar moeilijke jeugdjaren. Die twee drama's in haar leven maken haar de ware betekenis duidelijk van onderdrukking en politiek. C'est très étrange comment s'organise la mémoire de sa vie. Pour moi, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, je vois l'enfance, je suis dans l'enfance, avec la brutalité qui l'a marquée. Une brutalité terrible. Et ensuite, je saute 20 ans. 20 ans après, tout d'un coup, on tue 7 millions de Juifs. C'est comme si c'était un événement personnel. Je pense que c'est peut-être ça, écrire. Et en même temps que cette découverte, je découvre le nazisme. Mais je les distingue. Il y a ceux qui sont morts et ceux qui les ont tués. C'est-à-dire que je suis dans un rapport, quant à l'homme, un rapport de responsabilité. Et c'est la naissance d'une conscience politique. Elle est là. Et ce pessimisme-là, c'est cette croyance que j'ai dans la malfaisance de l'homme, essentielle, c'est un prolongement du nazisme. Dans l'amant. Je ne décris pas à proprement parler mon frère aîné. N'est-ce pas? Je dis ce qu'il a fait. Je dis ce qu'il a fait, je crois que je parle de la guerre à ce moment-là. Hein? J'en parle un peu. Mais tout de suite après le frère, quand je parle de la malfaisance profonde du frère, tout de suite après, je crois qu'il y a un passage sur la nuit tropicale. De nachten herinner ik me. Het blauw was verder verwijderd dan de lucht. Achter alle diepte bedekte het einde van de wereld. De lucht was blauw. Je kon hem vastpakken. De hemel was dat voortdurend geflonker van de schittering van het licht. Je trouve ça c'est un bonheur extraordinaire que ces deux passages se suivent. Compensatoire, si vous voulez. Parce que mon frère est un mystère. Comme tout le monde. Et innocenté. Il est d'ailleurs innocenté. Dans l'amant, tout le monde est innocent. Hoewel de twee broers van Marguerite Duras al lang dood zijn, leven ze voort in haar werk. Ze hebben haar kijk op liefdesaffaires beïnvloed. In L'Amant legt ze uit hoe ze door haar verhouding met de Chinees is gaan beseffen hoezeer zij zich lichamelijk tot haar beide broers voelde aangetrokken. De een noemde zij de jonge moordenaar en de andere de jonge jager. Ik keek altijd wat hij met me deed, hoe hij me gebruikte. En ik had nooit gedacht dat je het zo kon doen. Hij ging verder dan ik gehoopt had, wat in overeenstemming was met de bestemming van mijn lichaam. Zodoende was ik zijn kind geworden. Hij was ook iets anders voor mij geworden. Ik ging de onuitsprekelijke zachtheid van zijn huid, van zijn geslacht herkennen, los van hemzelf. Ook zou de schaduw van een andere man nog door de kamer trekken. Die van een jonge moordenaar. Maar dat wist ik toen nog niet. Dat was mij toen nog helemaal niet duidelijk. Ook de schaduw van een jonge jager zou door de kamer trekken. Maar daarvan wist ik het al wel. Soms was hij erbij tijdens het genot. En dat zei ik tegen hem, tegen de minnaar van Goden. Ik vertelde hem van zijn lichaam en ook van zijn geslacht. Van zijn onuitsprekelijke zachtheid. Van zijn moed in het woud en op de rivieren, met hun delta's waar zwarte panters zich ophouden. Oui, je crois que j'ai désiré mon petit frère. J'ai dû désirer le grand frère aussi. Mais ce n'était pas avoué. Le petit frère, je le sais, comme il le savait. Je crois
que l'inceste est toujours là. Chez les enfants, quand il y a une famille. Je crois qu'on n'aime jamais plus loin qu'un frère. Vous avez remarqué une chose entre amants. Les premières confidences que l'on se fait portent toujours sur l'enfance. Comme si l'amour voulait s'agrandir jusqu'à l'enfance et arriver à atteindre l'enfance. La retirer du temps pour l'amener à soi. De diepste motivatie van het verlangen is een van de sleutels van de filosofie van Marguerite Duras. Op heel jeugdige leeftijd al beseft ze welke vernietigende kracht verlangen kan hebben door de roddelpraat die ze hoort over de tragische liefdesaffaires van de vrouw van een vooraanstaand koloniaal ambtenaar. Le bruit a couru, elle avait eu un amant très jeune. On a raconté qu'à son âge, elle avait pu provoquer le suicide d'un homme très jeune. Qu'elle n'était pas belle pourtant, que c'était autre chose. Autre chose, qu'elle était très intelligente, très remarquablement musicienne, qu'elle jouait très bien du piano, qu'elle était étrangère. Vous voyez, toutes les données qui sont déjà très, très romanesques. De vrouw, die Marguerite Duras in L'Amant de dame noemt, is net als de jeugdige vriendin van de Chinees een vrouw die buiten de maatschappij is geplaatst, omdat ze zich niet aan de regels houdt. La dame est sur la terrasse de sa chambre. Elle regarde les avenues le long du Mekong. La chambre est au centre d'un grand palais à terrasse couverte. Le palais est au centre du parc de lauriers roses et de palmes. La même différence sépare la dame et la jeune fille des autres gens du poste. De même que toutes les deux regardent les longues avenues des fleuves, de même elles sont. Isolées toutes les deux, seules, des reines. Leur disgrâce va de soi. Toutes deux au discrédit voué du fait de la nature, de ce corps qu'elles ont, caressées par des amants, baisées par leurs bouches, livrées à l'infamie d'une jouissance à en mourir, disent-elles, en mourir de cette mort mystérieuse, des amants sans amour. C'est de cela qu'il est question, de cette humeur à mourir. De vrouw die de conventies heeft durven tarten, door toe te geven aan haar hartstocht, is de artistieke inspiratiebron van Marguerite Duras. Qui m'a fait passer à l'écriture. Même si c'est faux, je la vois comme ça. Même si je ne peux pas imaginer que, ne l'ayant pas connue, j'ai quand même écrit. Du moment qu'elle est là, c'est elle qui a fait que je suis passée à cet acte-là. Autrement dit, c'est moi, peut-être. Marguerite Duras heeft van deze vrouw fictie gemaakt. Een mythe die van beslissende invloed is geweest op haar boeken en op haar films. In de film India Song, die in 1975 is gemaakt, legt zij de herinneringen van de dame in een heel persoonlijke stijl vast. Op het doek is de dame het prototype geworden van de fatale vrouw, die bij anderen hopeloze hartstocht opwekt, maar zelf een leven leidt dat verstoken is van liefde en van betekenis. De film speelt in Calcutta, waar het spel van liefde en dood gespeeld wordt in de mondaine ambiance van een receptie op de Franse ambassade. De rol van de dame wordt vertolkt door de actrice Delphine Seyrig. Si vous écoutez bien, la voix des inflexions étrangères. C'est peut-être ça qui prive de la présence, cette origine. Aussi, oui. C'est une proposition abstraite que je fais. Je crois que c'est ça, écrire. Je crois que c'est ce parallélisme-là, entre la vue dans le miroir et la vue dehors. Quand l'écriture se met en marche, il y a déjà l'image dans le miroir. C'est-à-dire qu'on est déjà envahi par l'écriture, mais qu'elle n'est pas encore sortie de soi. Mon mari vous a dit, nous aimerions vous avoir aux îles. Je serais heureux de venir. Vous écrivez, je crois. Je
j'ai cru pouvoir écrire avant. On vous l'a dit? Oui, mais je l'aurais sans doute deviné. À la façon que vous avez de vous taire. J'ai abandonné. In India Song hebben de acteurs een merkwaardige manier van spreken. De dialogen zijn eerst opgenomen en vervolgens worden de scènes gespeeld. De stemmen die je hoort kunnen van de acteurs zijn, maar ook van anderen. Het doel ervan is om de aanwezigheid en de betekenis van situaties en gebeurtenissen uit het verleden, die een universele en haast mythische dimensie hebben gekregen, te onderstrepen. Vous faites de la musique? Parfois. Moins depuis quelques années. Pourquoi? C'est difficile à exprimer. Dites-le-moi. Une certaine douleur s'attache à la musique depuis quelque temps. Pour moi. Die speciale techniek noemt Marguerite Duras stem off. Alors, le off. Je ris, je vous dirai pourquoi. Parce que moi, le off, pour moi, et c'est complètement payant, je veux dire, c'est complètement gratifiant. Le off, je faisais dire par mes propres comédiens. Delphine Seyrig écoute sa propre voix. Du fait qu'elle écoute sa propre voix, elle n'est pas préoccupée de sa parole. Elle n'a plus sa mémoire à faire jouer. Elle est débarrassée du texte. Elle ne fait simplement que l'écouter. Alors on assiste là à une absence-présence de l'actrice et de l'acteur. Une sorte de dépeuplement de l'image au profit de ce qui est dit. Alors le dialogue ne se passe plus entre un homme et une femme, mais plutôt entre leurs principes. Qu'est-ce qu'on entend? Elle qui pleure. Ne souffre pas, n'est-ce pas? Non plus. Une lèpre du cœur. Ne supporte pas. Non. Ne supporte pas. Les Indes. Ne supporte pas. Elle dort. Que tout au monde, plus encore. Michael Richardson avait monté une affaire d'assurance maritime. Toen India Song af was, begreep Marguerite Duras dat het dubbele thema van de dame en de herinnering nog lang niet was uitgeput. Een jaar later, in 1976, heeft zij die heel persoonlijke stijl nog vervolmaakt in de film Son nom de Venise dans Calcutta désert. Ze combineert in die film de geluidsband van India Song met nieuwe beelden die de symboliek van het verleden nog sterker tot uiting brengen. Qu'est-ce qu'on entend? Elle qui pleure. Ne souffre pas, n'est-ce pas? Non plus. Une lèpre du cœur. Thank you.
nous étions transportés peut-être des siècles après India Song. Donc nous allions plus loin. Il n'y a plus personne. Mais il n'y a plus personne puisqu'ils sont tous morts. India Song essayait de rattraper quelque chose de la mort. Et puis après ce film, il y a eu son complément définitif, qui était son 11 de Médise en Calcutta désert. Si vous voulez, c'est encore une certaine mémoire, India Song. Et son nom de Venise se produit avant la fin de la mémoire. De obsessie van Marguerite Duras voor de dood, het herinneren en het vergeten komt tot uiting in haar boeken, toneelstukken en films. Aan het eind van L'Amant komen de draden van het verhaal bij elkaar in eenzelfde besef van vergankelijkheid en uit elkaar gaan. De hoofdpersoon uit het boek vertrekt uit Indochina, net als Marguerite Duras zelf in 1932, geobsedeerd door het verbreken van een relatie en het vertrek. Ze spreken er nooit meer over. Het staat vast dat hij geen moeite meer zal doen bij zijn vader om met haar te trouwen. Dat de vader geen enkel medelijden zal hebben met zijn zoon. Dat heeft hij met niemand. De man van Gohlen weet dat de beslissing van zijn vader en die van het meisje dezelfde zijn. En dat er geen verweer tegen mogelijk is. In mindere mate begint hij te begrijpen dat het vertrek, dat hem van haar zal scheiden, een geluk is voor hun affaire. Dat zij geen type is om getrouwd te zijn. Dat ze elk huwelijk zal ontvluchten. Dat hij haar moet opgeven, haar moet vergeten. Haar moet teruggeven aan de blanken, aan haar broers. De minnaar van Gohlen is zozeer gewend geraakt aan de adolescentie van het blanke meisje dat hij verloren is. Het genot dat hij elke avond met haar beleeft, heeft al zijn tijd opgeslokt, zijn leven. Hij praat vrijwel niet meer tegen haar. Misschien denkt hij dat ze niet meer zou begrijpen wat hij tegen haar zou zeggen over de liefde die hij nog niet kende en waarover hij niets weet te zeggen. Misschien ontdekt hij dat ze nog nooit met elkaar gesproken hebben, afgezien van hun kreten 's avonds in de slaapkamer. Ja, ik denk dat hij het niet wist, dat hij ontdekt dat hij het niet wist. De dood, en met name die van haar jongste broer in Saigon in 1941, is het andere thema dat Marguerite Duras uitwerkt in L'Amant, namelijk dat van de scheiding. Le petit frère mort. D'abord, c'est inintelligible. Et puis, brusquement, de partout, du fond du monde, la douleur arrive. Elle m'a recouverte. Elle m'a emportée. Je ne reconnaissais rien. On s'était trompé. L'erreur qu'on avait faite, en quelques secondes, a gagné tout l'univers. Le scandale était à l'échelle de Dieu. Mon petit frère était immortel et on ne l'avait pas vu. L'immortalité avait été recelée par le corps de ce frère. Tandis qu'il vivait. Et nous, on n'avait pas vu que c'était dans ce corps-là que se trouvait être logée l'immortalité. Le corps de mon frère était mort. L'immortalité était morte avec lui. Les gens me demandent souvent comment j'ai fait, de la fin de L'Amant. Je ne l'ai pas fait, elle est venue progressivement. Dire toutes les fins se sont produites presque continuellement, même si elles s'étaient produites à des temps différents. En moi, le départ de l'Indochine, le départ du pays, s'est donc fait de façon corollaire à celle à partir de l'amant. Je suis partie de mon amant comme je suis partie de mon pays. Et la séparation d'avec mon petit frère. Je la vois comme faisant partie de cette fin. Parce qu'avec la mort de mon petit frère, l'enfance est partie. Donc c'était juste
de mettre cette mort dans ce paquet, ce bâtiment de mort qui est à la fin de la mort. Les bateaux qui partent, oui, ça c'est la régularité de la mort, si vous voulez. Et les grandes orgues des cheminées. Tijdens de oversteek over de oceaan was het al nacht geworden. En in de grote zaal op het hoofddek weerklonk plotseling een wals van Chopin. Onder een hemel die helder is van de schitteringen. Er was geen zuchtje wind. En de muziek verspreidde zich over het donkere passagiersschip als een hemelse aanmaning. Waarvan niet duidelijk was waar die betrekking op had. Als een bevel van God waar de strekking niet bekend van was. En het meisje kwam overeind alsof zij zich op haar beurt wilde doden. Zich in zee wilde gooien. En daarna had ze gehuild. Omdat ze gedacht had aan die man van Golen. En ineens was ze er niet meer zo zeker van dat ze niet van hem had gehouden met een liefde die ze zelf niet had gezien. Omdat die verloren was gegaan in de affaire. Zoals water in zand. En dat ze die nu pas hervond tijdens dat moment van de muziek die over de zee werd geworpen.